bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de FF10. On n'a pas le temps. Je vous avais arrêté en pleine action. Mais vous inquiétez pas, moi aussi. Je me suis arrêtée parce que les deux sessions étaient séparées de plusieurs jours. Donc, moi aussi, j'ai vécu l'attente. Allez, on y va. On n'a pas le temps. Désolé, je vous ai pas éclaté les oreilles. Bonjour. Where are we? Voilà, comme je disais, on n'a pas le temps. Oh. Oh là là. J'ai pas vu astuces. Comment qu'on fait les astuces? C'est voilà. Frapper un de mes ennemis. Merci. Super les astuces. Génial. Gru. Mettre la grue en marche. Escrim, visez juste pour affliger plus de dégâts. Je comprends pas trop. Pas trop, hein. Attends. Je sais pas comment qu'on fait les astuces. Parce que ça se met. Peut-être la grue. Come on, move. It's probably out of power. Du coup, j'ai perdu un tour. Merci. C'est génial. Alors, Kimari, tu vas nous faire comme d'habitude un petit Ryuken. On sait jamais. Ah, j'ai pas vu. Il était vulnérable à quoi? Mince. Attaque de feu sur un ennemi. Bah lui il doit... Voilà, vulnérable au tonnerre. Donc, forcément... De toute façon, quand c'est machine, c'est vulnérable à la foudre. Eh ouais. Pourquoi Kimari il est revenu devant moi? Bon, pas savoir. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de lui? J'en ai aucune idée. Oh non! En plus, on n'a pas Yuna pour nous soigner tout ça. Alors, on va essayer ce fameux overdrive. Et je vais prier pour que... Pour y arriver. Mince, on va le prendre cher. Oh. Oh. Plus on n'a pas de soigneur. Vas-y, prends-toi foutre dans la gueule là. Bam, 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 bam. Toi, tu vas un peu te soigner en faisant ça. Ah, c'est parce que comme ça... Ouais, Kimari revient derrière moi. J'ai vu quand j'ai fait Ryuken, il est revenu derrière moi. Ah, ça fait du bien. Attends, il fallait mettre la grue en marche. Elle avait pas assez de... comment dire... On peut toujours essayer, hein. De comment dire? De jus. Donc. Ah merde!
J'ai vu que Lulu elle était en silence. Putain. Enlève l'altération de poison. Non, j'ai rien pour le silence. Ah. Bah tu sais quoi, non, je peux pas aller sur le côté avec toi. Mets-toi en protection. Bon, vas-y, attaque. Tu feras 35 de dégâts, c'est pas grave. 15 ! Même pas. Non. Technique. Encourager. Encourager augmente la force et la constitution. Objet. Comment je fais pour faire marcher la grue? Je tape. Come on, no. It's probably out of power. Bah oui, sauf que on va tous mourir. Alors. Non, ça va rien te. Toi tu vas te faire une potion. Ah non, toi ça va. Tu vas juste nous faire un petit Ryoken, hein. Toi, je sais que je devrais... Voilà. On va lui donner de l'énergie. La grue à la régie, oui. Alors, est-ce que là ça fait quelque chose? Mince, j'aurais dû prendre une potion. Non, c'est pas vrai. Alors, qui m'arrive, vu que t'es en à peu près bonne santé, tu vas mettre une potion plus sur Tidus. Mais oh, qui est en train de crever. Merci. Tidus, vu que tu peux rien faire, tu vas mettre une potion plus sur Lulu. Voilà, merci. Lulu. Non, on est retour sur Kimari. Kimari, tu vas te faire un petit Ryoken parce que ça l'attaque toujours comme ça. Même si c'est pas génial, génial. C'est pas grave si Kimari. Kimari prend silence parce que ce n'est pas un magicien. Ok, toujours pas. Faut qu'elle soit. À mon avis, elle se relèvera. Par falle de balle. Ah. Toi, tu vas attaquer. Ça, il arrêtera de me faire chier sa mère. Balle cécité, mince. Je sais plus ce que ça fait, cécité. Lulu, tu vas continuer avec un sort foudre là-dessus. Ah, là, elle est en train de trembler. Tout ce qu'elle peut, ça veut peut-être dire qu'on peut faire quelque chose. Ah, c'est pas mal. Du coup, il a plus ses canons? Si, il a toujours ses canons. Mon 3000 points. Il te reste 200 points de vie. Non mais voyez-vous cela? Et voilà, on l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. Bon, c'était peut-être 10 minutes de perdu. Mais Yuna, tu es vivante! Tu rappelles que Yuna s'était fait enlever par les Hellbent.
Elle a l'air d'aller très bien. Et justement, de ne pas s'être fait enlever. On est niveau 4 et niveau 5 avec Lulu. Mais c'est quoi ce bordel? Un élixir, c'est... Merci. Un bouclier d'acier. Et encore du fric. I hope you hurt them. A little. What is it? There were these Albed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship, and even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship, but it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Cid on that ship? I don't know. They were all speaking that Albed language. I see. So who's Cid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait, so that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Cid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Waka. I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh! Il me fait toujours rire à... être en train de courir sur place quand il est impatient. Donc pour petit rappel, on croyait... Les Albed avaient... enlevé Yuna. On croyait finalement qu'ils avaient enlevé Yuna. The Aurochs are launching an all-out offensive. C'est une bonne long pass from Letty. It goes through. Oh. He shoots. Oh. Unbelievable. The Aurochs win the match 3-2. Ils ont gagné le match. We won. We did it. We're in the finals. Not the most graceful win. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. Mm-hmm. Du coup, on repart par là? Il y avait un mur par là. Ils ont enlevé une partie du mur, c'est bien ça. Bonjour. Les Ronso sont habitués au froid, mais fait trop chaud pour nous, hein, Aluka. Il fait trop chaud, faut que j'apprenne à lire. Attendez, il y a peut-être des petits coffres qui se cachent. On sait jamais. Non, il n'y a pas de petits coffres qui se cachent. Un espoir vain. Mais on n'est jamais assez prudent. Jamais. Ouais, mais là, faut qu'on y aille tout de suite, de toute façon, donc...
On n'a pas de temps à perdre. C'est plus tard. C'était, je pensais, par rapport au... au manuel à bail. Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the gores too. Non, ça va pas du tout. Mais... Miss me? Lady Yuna! Are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. How can you let some outbed kidnap you? Hey, let it go, all right? Don't go near outbed anymore, okay? They're trouble. S'il savait. Du coup, on fait quoi? Poussez-vous. Désolé. Des changements de caméra brusques comme ça. On peut leur parler. Parler à personne. Non, ça ira. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, ce match, on va le perdre. Je sais que je... Ah, ce changement de caméra de l'enfer. Désolé. Par peut-être un peu défaitiste, mais d'accord, on n'a pas le droit d'y aller. Du coup, on fait quoi? On attend? J'ai la flemme de lire. Please, don't tell anyone about Yuna's lineage. T'inquiète, on n'allait pas le faire. Et toi, tu veux pas nous parler? Ah bah enfin! C'est pas comme si j'avais essayé de le faire 3 fois. Ah, the game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Désolé les gars. Mind the bench. I'm warming the bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. I saw you floating there on the sphere. Oh. Hey, you weren't supposed to see that. Oh. Manque lui, elle est forte, hein. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? For Captain Walker. On va faire notre mieux, hein. Et là, on dit rien.
In just a few minutes, the championship game. Mes meilleurs souvenirs sont ici, Waka, capitaine, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Mais je pense que c'était le nom de l'équipe de Bayside. But who could have imagined a championship game between these two teams? Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Bayside Aurochs. Ah, Aron est là. This looks like history in the making, Baba. Aron est là. Puis il marche toujours à le ralenti. Non, je ne me moque pas du tout de lui. Allez, 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 allez. On va se perdre et monter la tranche. Mais vous avez des tenues de meuf, les gars. Il va nous dire ouais, t'es qui. They're already going at it, folks. C'est pas marrant. Mauvais joueur. À l'œil, hein. Ok. Notre premier match, c'est la finale. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Parce que c'est en automatique en fait. Oui! Mais quand les autres ils a... est-ce que je force? Lui il a quoi? Lui il a 3. On va plutôt déborder... Attends, non. Ah bah, c'est trop tard. Merde. Bah oui, pas de forcing. Y'a personne. Pourquoi y'a personne dans nos défenses? Oh fuck. Mais tu vas où comme ça? Oh. Ah, y'a Tidus là, juste là. C'est lequel qui est devant nous? Moi je connais pas le nom des joueurs, vous êtes marrants vous. De toute façon on va voir que j'en déborde un. J'essaie de le déborder lui mais Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire! Ils sont nuls, nos joueurs. Attends, comment ça se fait qu'elle... Ouais, voilà, voilà, voilà. Vas-y, 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 vas-y. On est où, là? Euh...
Là, on va pas faire de poursuite. c'est lequel qui est plus proche de nous? C'est toi, hein. Ah, voilà. Mais comment ça se fait que toi t'as pu l'attraper alors qu'il était derrière moi? Je le lançais derrière moi! Elle l'a attrapé de devant! C'est pas normal! C'est pas normal! Leur truc il est pas bien mis! Comment est-ce qu'elle a pu l'attraper? Sauf si elle m'a passé dessus, mais elle m'est pas passée dessus! Non, j'y crois pas, t'as laissé passer ça! Le truc, il était à 3 km, t'aurais pu y aller! C'est n'importe quoi ces règles. C'est n'importe quoi ces règles. Oh là là! Oh mon dieu! Mais ils viennent à 4 sur moi! Comment vous voulez que je fasse quelque chose? Alors, mince. Je vais essayer de le déborder. Et il y a des gens à côté, mais ils ont des gens autour d'eux. On va essayer le tir, c'est un peu loin. Je crois que je vais me rater parce que... Ouais, c'est parce que j'étais à 7. Fuck it! Ouais, heureusement parce qu'il était à 3 km. Hein. Oh. 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 Ils ont du monde au moins à leur défense. Regardez, ils sont 4 devant moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont tous devant moi. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait tir, je voulais faire passe. Mais ce jeu, c'est le jeu de l'horreur. Non mais... Sidious. Essayez de le bloquer, faites quelque chose, je sais pas. Des gens à la défense. Ouais, là, on est 4, là c'est bon, là c'est bon. Vous voyez? C'est bien quand il y a des gens à la défense. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. Mais le mec, il était derrière moi. Pourquoi est-ce qu'il a atterri devant moi? Il a 3. Je peux le déborder. Je peux le déborder. Et après, est-ce qu'on continue? Ou qu'on passe à Tidus? Mi-temps. Non mais franchement. And it's halftime. The Gores are just playing great, Baba. Really great. Eh, n'empêche, on se défend pas mal, hein. On se défend pas mal. Mais par contre, je sais pas si je connais pas leur tête. Comment vous voulez que... J'ai même pas pu prendre des joueurs. C'est... Fou. On me plante comme ça, c'est la finale, on me dit oh, t'as jamais joué, vas-y. What about me? Get the ball, just shoot like crazy.
Goers are going down! Yeah! Shoot like crazy! Down! All right, hustle! Miss... Je suis toujours sidérée parce que... Parce que la meuf, elle était devant moi. J'ai tiré derrière moi. Mais elle l'a quand même eu. Elle était toujours devant moi quand elle l'a attrapé. Hein. Alors, au choix des techniques actives, les joueurs qui sont au moins au niveau 3 peuvent activer les techniques acquises pour les utiliser pendant le match. Tidus. Y'a rien. Y'a rien. Personne. Marquage des adversaires. Marquer un adversaire permet de le suivre en formation. Marquage uniquement en tant que vacciné. Alors. Le Venom. Tacle saigné. Lui, il a de l'HP, hein. C'est notre goal, donc je crois que c'est notre goal. Je sais plus c'est qui le goal. Oh, je sais plus. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, on verra. Je connais pas les stats de mes joueurs par cœur, donc on verra bien. Allez, on doit tenir 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Mais quoi? Vas-y, vas-y, tacle-le, mais... Comment est-ce qu'il... Attends, il tente le tir d'ici? Non, mais faut pas exagérer non plus. Il le laisse passer. Il le laisse passer. Non mais franchement, c'est quoi ce match? Tu peux pas genre essayer de les... Ils étaient derrière toi. Attends. J'ai 7, lui il a 3... De toute façon, si j'essaie de le déborder, il fera non. Là, si j'essaie de le déborder, ça ira, mais j'aurai toujours le 8 contre moi et j'aurai que 7. Enfin, j'aurai moins de 7, justement. Donc, on va pas faire signer. Alors. Ça passera là. Qui est bien démarqué tout seul ?
Non, vous êtes trop derrière, vous. Tidus, il est loin, celui qui est à côté de toi. Elle est toute seule! Attends, si je tente de la déborder... On est à 10 contre 10. Si je fais pas de forcing... Que je tente un tir... Non, c'est vrai, j'avais oublié la distance. Il a tenté un tir de là. Oui. Tu t'en vas où comme ça? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Il était à 3 km, t'aurais pu... Mais c'est toujours le même dilemme là. Je peux essayer de le déborder lui. Après, tir, j'ai que 4. Non, sinon, il faut que je fasse une passe. Génial. Voilà, 0. Voilà. The fans are getting impatient. They're calling for some action. Mais on est à 0 à 2 donc. Are fading quickly. Are they going down without a fight? Mais non, vous inquiétez pas, on va perdre, mais tu fais un truc chelou, mon grand. Il y a des gens qui sont quand même très convaincus, hein. Ça coûte moins cher. Oh bah Waka, il va pas très très bien, tu vois. Attends, Tidus, il va se retirer là. Where is that player going? He's leaving the sphere pool. He may be injured. Alors moi, tout ce que j'entends, c'est... Ça doit être Waka, mais... Encore une fois, j'entends que ça. Du coup, on va jouer avec Waka? To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show, after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Oh, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. Vous avez 2 points à rattraper, les gars. Sachant qu'on avait bien entamé la première partie. Non, à peine. Enfin, la deuxième partie. Attends, on joue encore?
Y'a toujours pas de boost de quoi que ce soit. Hein. Mystérieux. Attends, j'ai 10. Je vais me faire éclater la gueule. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaie d'aborder, genre le celui qui a le moins, ça. Oh putain. Je suis que 4 TI. Je me fais avoir par celui qui a le plus. De toute façon, là, j'ai. Je veux pas de forcing. Là. Passe. Ah, j'ai 10 points. Ouais, mais ça sera à 0, merde. Encore plus loin, lui, encore plus loin, lui, encore plus loin. On voit la balle. Ah ouais, le temps que ça arrive, il était à 9, du coup je me suis trouvé à 9, le truc il l'a... Pourquoi y a pas de... Ah, où est la défense? S'il vous plaît. Par contre, nos joueurs, ils sont pas géniaux niveau statistique, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Ils nous mettent une musique super en jeu, mais là, je peux rien faire! Je peux absolument rien faire! Waka! Mais quelle chance! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux tenter, mais boum! Alors, je comprends toujours pas leur façon de jouer. Ce jeu est de plus en plus bizarre. Le mec il lance à gauche. Le truc, il fait celui de droite d'abord. Ah, c'est bon ça! Ça c'est bon ça! Je vous explose peut-être les oreilles. Je m'en rends pas compte. J'en ai quand même perdu 2 à 0. C'est pas mal, ça aurait pu être pire, hein. Ouais, Gab a pris 5 points. Bar... Je sais pas comment il s'appelle, Bargerda. Je sais pas comment... Comment dire ça, il est à 3 niveaux. Doramé, je pense que ça se dit comme ça. Il est au niveau 2... quand même assez loin du niveau 3. Lodia... Ah, il manque un point pour... Mais Lodia, je crois que c'est notre... notre goal. Notre gardien de but. Donc c'est pour ça qu'il prend pas un but. C'est Bixon aussi, son bas. Là, par contre, il en manque 2 points. Dato... En fait, je sais pas qui est dans mon équipe qui ne l'est pas. En fait, le truc, c'est que on me met comme ça le premier match. Tiens, c'est la finale. On se retrouve contre les Lucas Gower. Mais je pense que c'est scripté. Merde, on peut pas gagner tous les... Tous les autres, comment dire, tous les autres qui sont contre nous, tu te retrouves même contre un, tu peux rien faire, tu peux même pas le déborder, ils ont tous un ou deux points au-dessus de nous. Mais voilà. Mais je pense que déjà perdre seulement à 2 contre 0, c'est déjà pas mal. Et vous savez ce qu'on va faire? Vous le savez très bien. On va s'arrêter ici. Parce qu'on a 45 minutes d'épisode. Déjà. Et
Parce que comme ça, je me fais encore enrager. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu catastrophique. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie des épisodes. Et je vous dis à très vite. Je sais pas comment j'aurais fait la sortie des épisodes. Déjà, j'ai sorti le premier épisode. J'ai même pas mis le deuxième. Ça fait un moment en plus que j'ai sorti le deuxième épisode. Bon, j'ai l'impression que personne ne l'a regardé, mais c'est pas grave. En fait, je suis pas allée voir depuis que je l'ai posté, donc... Voilà. En tout cas, à une prochaine fois. Allez, bye bye.